l'article 2, est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ayant obtenu 13 215 366 voix. Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus et bonne année 2024. Naba bonne nyonso bozala ki nabiso ensemble. À la une, chers téléspectateurs. On va commencer cette émission Bande Konangai avec le président de la République, Félix Tshisekedi, et le président encore de la RDC pour le deuxième mandat. Alors, Bokoyo kapo position, bazaka na position na bango. Bango kaka. Et yinda bango kaka était toza contre ba résultat. Donc, Ndenge bazawana, batika makambouana. Mais tukulu baya bango. Alors, résultat ezagi transparente. Donc, toujours monake, makamounion so kalate bako publié. Définitivement, c'est la suko cour constitutionnelle. Alors, banamboka, tukou développant ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs. Message de Kagame continue maintenant, cette fois-ci. Si c'est le feu 72 heures, alors ils ont condamné à West Ogoyoka, politicien n'a pas honte à quoi expliquer. Beaucoup l'andana souka bande quoi en direct là y'a Kigali était, bas au pays sa faute na Occident, surtout américain, bah lui Koba pèse na 72 heures kaka c'est le feu, kaka pour une élection y'a Fachi, alors bande quoi makamboza mon boulot. Et on va parler de Nanga. Kaka na po bande kon fa parler bande kon ngai ya arrestation ya général Mpezo bande ko o a 34e région militaire à Nord Kivu bokoyo ka ba secret dévoilé donc za somme alors est na biso mawa troko mona makamba boy toza la connecté. Chers téléspectateurs, émission na biso bandi et comme étant tout cela ensemble, la situation politique n'a pas qu'à l'abissou. Les leurs événements. Oyuba Congolais, Bazaï Kozela, Fachi, le président de la République, et successionné encore dans le deuxième mandat, Azamena élu pour le deuxième mandat jusqu'à 2028. Et puis, bah, confirmé en gros par son appel, sa provisoire, mais à RDC, Banda Makambo et Banda, jamais cour constitutionnelle a confirmé kaka oyo seni apesi. Donc déjà aza élu pour le deuxième mandat. Alors après yango le kabasili si facha juma lobe pa ba congolais na quartier général. L'heure est grave. Na côté gauche maman za côté, côté droite madame za côté, o ba lo ba kesi e indi kaka monte pela kaka pour monde za kunyingana pour le moment. Chers téléspectateurs, élection Oyo et Zalaki na bit mokon yoko sakanati. Bon sepe la kaka pona présent Fachi abimite, mais bon sepe la keto récupéré mboka. La RDC et Zalaki na maboko abatu. Fachi a récupéré yango. Likola mesa o? Wow. Élection moko Oyo kaka. Kitoko? Et puis, transparente, donc, moutoua koloba ka pona ba irregularité, toujours yana bango, po bango pe balalité. Opposition ba lui bango kaka irregularité kaka e. Bango, bazama yeli. Bazon loba li susute, ke o, ba voa wana, fachia zinde ni batiki na bango kote wana, ba moni ke zaki transparente. Et logo nini siko position ba telemi. Ba lobi irregularité ba bande l'élection. Et zayako yinda. Et si e yindi. Quel boule. Ah opposition yo. Metozo yanabango. Alors, le chef de l'État, le lo, en tout cas, est affecté.
Union sacrée de la nation, baza ko sepe la passe ba continuer direction oyo baza la kenango. Bandeko, et loko nini pena ba opposition ba échoué. Passe bango ba yakina ba promesse. Il y a une différence entre la promesse et le bilan oyo sio bandeko sa. Fatia présenté oji ase a bandaki. Bango ba yena ba promesse, peuple a l'obité, bisou toko ya posa ba promesse ou ante to emi nan outi. Mais, to kangamana, bilan, ou to si to moni, to pousse en week-end li, bosu. Le peuple a refusé de recommencer à zéro ce pays. Le peuple a beaucoup souffert, il est temps que Fatih s'en occupe de la société sociale à ba congolais. Et je vous assure que le gouvernement ouyo, beaucoup mona ba changement ebele. O mona ba bandiola ya ba maladie. Et ça jusqu'à ce que Congolo koko djoba soin gratuit. Kolia oyo bozo mona o ba dollar o mboka na biso. Et tout ce qui se passe, ça bateau bazana kati ya mboka na biso. Bozo comprendre ngo que un mutu azala ki présent à Sini na RDC a ke ko sala mouvement na ba rebelle Kagame Sombi. Parce que ça mouvement Kagame. Mboka bandeko il fallait kaka fachi. Toujours la deuxième point. Ba vérité jusqu'à ce que 34e région militaire na côté tozana Bitumba. Le général Pezozare. Toko tia nani Kagame zo somba batutu. Mais tout ça, on a toujours un point. Donc, deuxième point, il y a un peu de temps, il y a rapide. Les autres, les qui avant. Les autres, en tout cas, tout le monde est là. Donc, les autres, les qui ont le coup, ils ont profité, les autres, avant, pour que les Congolais en aient vraiment sur eux. N'a pas eu qu'à quand diviser, le bas, ils ont live. Ben, en tout cas, tout est là pour ces pays. Ces pays, tout le monde a causé un souci. Pourquoi Fatih? Parce qu'il a présenté un bilan. Et les autres sont venus avec des promesses. Les autres sont, ont promis des sommes énormes, irréalisables. Oeza Penaï Congolais, c'est à Koli. Il y a des intellectuels en RDC malgré Bazana Mbongote. Mais, bah, intellectuel, bah, tanga, bah, eko talabiti. Cher ami, cher collègue, continuons avec le président Fatih. Il a déjà commencé. Il y a un projet. Il y a 145 territoires. Babong Samboka Oyu. Il y a un Congolais, Lamuka Betele. Alors, sans plus tarder, tout ce qui est un événement, qui est un peu comme ça, Après, to y a un message à Fatih. Après, to y a une réaction. Et ça y a inda, et si y a indi. Ah, banamboka, Fatih est élu. Bandeko. Et il fallait kakabouy. Félix Tshisekedi, élu président de la RDC pour deuxième mandat, suivez l'opposition. Bandeko, événement, les gars, qui très kitoko. Deuxième partie, t'as voyé un message à Fatih. Et puis, t'as voyé une opposition. Oh, y'a, bah, on va télémer les kaka. Bah, bimisi boula sika. Et t'es, t'as bundaka pour la irrégularité. Donc, ma soleuse a kousakanati. Alors, banamboka. Kadima, a sali travail, mon kitoko. Fatih est élu. Avec 13 215 366 voix, soit 73%. Alors, sans plus tarder, tout l'événement de Ngelekaki, tout le monde a babilo à Kadima Sela Kitoko, ne vu que Bele Moussou Botala qui n'a RTNC, mais tout l'andayango, bon après tout commenter. Excellences, Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, chères autorités traditionnelles, chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Madame et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son président, Son Excellence Denis Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Merci, Excellence, Madame le rapporteur de la CENI. J'invite très respectueusement le président de la CENI à prononcer son discours de circonstance. Merci, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. Au nom des membres, des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, soyez une fois de plus le bienvenu au Centre Bosolo, notre centre des opérations et des résultats, qui abrite ce jour la cérémonie de publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ces élections une compétition et un libre choix entre formations politiques et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo, qui passe aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons des cycles précédents, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Masisi, Rutshuru et Kwamout de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser les scrutins dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kasing Kapitu de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04%. Candidat numéro 8, Bousse Falaï Georges, candidat indépendant,
ayant obtenu 5313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15313 voix. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, maman Penda Yambi Fachi, donc, tant qu'elle va proclamer de danser, quelle joie! Congratulations, Yangwan. Article 2 est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissonioso, proclamation, ya. Résultat provisoire. Et dans l'histoire de la RDC, Oyo Sénia Bimisi, Yangwana Cour constitutionnelle a confirmé. Jamais et c'est salama que le contraire. Yangwana Omona ke makambo sili nan. Alors, le deuxième mandé kozalande gimi. Tozef Sabino makambo tolo ba. Justice, bobongama. Makala wana ekotonda. Facha jeune mon pepe moko sur du côté justice azana kanda ko sakana te pas état de droit na yi e kuma ki na ba problème boko yo kandeni deuxième mandat oyo baoba mi ibe mongo ba bo tonda na makala parce que azo zongi l'état de droit wana o ezaki sabuti parce comme temps o union se ce ki ba congolais parce justice en tout cas ki na problème mais alors facha lobby que toque directement un message, fachi, n'denge élection liki, fachi alobi, ezakende li kamama beli. Eh, pa kongole bosa li choua malamute, ezala kende li kamama beli. Eh, oh, tala, n'denge to landi wana, nzamba malamu, élection yo n'y a pas eu de fraude. Yango bozo mona ke bando kia Congo Monsieur Rouge parce que tu récupères mboka. Et maintenant mission na bango komini. Katumbi et Marte Fayulu ezalai ke o voilà ba truqué ba résultat ba coopération et tout ça non. Ba moni o senko ba lobby.
ba moni keza pena parallèle ba moni ba résultat katanga ne katumbi ya gayaki ba tali nyoso bitenso doke kote ba okanga biso tika to kanga makana oezo mona na irregularity ba to bazana boule ba lui soto ke kote wana ba okanga biso bo organiser international ba lui election le kinde yeni ba bitesa va et tout ça bon biso siko soto ke a kote ba résultat ozo mate ba lui za transparente alors to kanga mana e kote irregularity bana mboka bato yo bakosa na problème sérieux tout ce qu'il prépare e kokoya na mai parce mba ko accepter yango ti bakosa na problème sérieux pe bako vivre yango alors il est temps biso nyonso ensemble levons-nous pour l'intérêt ya mboka yango tozolo na ba congolais ke ta biso za ko lo bana bino to banaka ngwa to bata facha za vrai président to tena deuxième mandat mutu nyonso za na erreur na ye me ba congolais ba ko pesa biso raison pourquoi to lo ba ki bon ezate ke to bwa ki si ba candidat mususu te même les missions, on va parler de Fayulu, on va parler de Katumbi. Mais tous à l'heure, bah bon, on passe les pays exacts en danger. Les lobos, yoka on a monoka, yemo metozo ya na pon. Yemo ka lobby. Tous vivre batamo comme à la mouté. Il fallait kaka lui l'homme à la place pour na ko bimisamboka au place isali. Alors, banamboka. Pays na biso ezo kena direction yangwana le président de la république a zamené lui pour deuxième mandat et loko tozo senga ne kaka moko congolais mona clair congolais a vivre vie moko normal pendant les 5 ans parce qu'il a beaucoup de temps maintenant après c'est sur excuse te kazaika na 2 ans Menaza na 5 ans, vers fin mandat, tu peux se gâter 3 ans pour le moment. 3 ans, wana, tout le monde a peine changement côté Yaba Congolais. Ma comme maladie universelle assurance, wana, ici, la Congolais, j'ai ce médico, na yé au fil. Wana, ma comme tolo, mokonza moka, asale la yango pona bana moka. Yami bali, parce que tu allais à Togoloba. Yami bali. Gratuité, on a pas arrangé, moi, Berere, ça, partout, on arrange la gratuité, ça, peine propre. Et puis, assurance maladie, surtout, ça, qu'on bête à cette, tout ce qu'il y a en deux fois, Congolais, ça, qui se fait. Traitement fait. Bah, ça, le faux côté, on a. Et puis, projet à 145 territoires, bah, Nzela est commandé dans Monaco, dans le pays, nous sommes au Kenya, tout le temps, pays africain, dans des villages, Banzela qui toko. Pourquoi Bisso Banzela Maboulou? Pourquoi tout ça? Mais, tout ça, la grand forêt. Mais, et je senga, était, mena, babonga, batongsam, mboka, oyo, et tongam. 145 territoires, ils ont défié mon aîné, au bas congolais, bazakouzela, mboka et bonga. Congolais, lia qui toko, tout le monde a été étudiant, ma kamounyonso, vie est changée. Ba misale monana, passe tozo guerre à l'est et aussi là. Comme yé mokoum ta continue en go, asile sa guerre wana, et puis ma kambo si là. Mais, to lani mokon zamboka ba proclamé, to komo kena point opposition. Je ne comprends pas Katumbi et Fayulu. Ba yé li biso système asika, irrégularité. Et j'ai souhaité qu'au fraude électorale, tu sais, comme irrégularité, on va ça, mon boulot. Et puis, bah, lui, bah, koutikati. Il faut pas faire attention. Na, oyo, bah, ça, qu'au ça, la passe, déjà, bah, ça, n'a pas problème, et belé, déjà. Oyo, bah, qu'au porter, bah, bah, plainte, ils seront aux arrêts. Et les autres, bah, on va quitter le territoire congolais. Et toi, y'a, bah, ça, n'a pas. Libre. Bazo va que libre, mais ça va comme non de baligny, mais, batika bana batuna bandaku, batika makaba marche, un point très, qu'il accepte les résultats. Totang. Oh là là, batika, pense bon, tu vois l'accepte, non, comment, mboka,
ndeni fachi acheche ba blende partout dombo keza na sécurité na Kinshasa situ yako sakanati les candidats de l'opposition leur déclaration par une longue litanie des irrégularités qu'ils disent pour observer lors du processus électoral. Donc, bah, comme qu'à ces irrégularités. Les principaux opposants Martin Fayulu et Moïse Katumbi se sont donc de nouveau rassemblés. Bah, sangani, si qu'on doit au monde, on a, bah, kabouana qui est, mais si qu'on bah, sangani. Pour contester cette élection. Dans leur déclaration commune, les 9 candidats pointent d'abord des irrégularités constatées pendant et après le déroulement des votes. Ils mettent en exergue des violations de la loi électorale par la poursuite des votes pendant 6 jours, l'existence des bureaux de vote parallèles ou encore le contrôle des machines de vote par des candidats qu'ils identifient comme liés au régime en place. Donc c'est ça le problème. Ces irrégularités, je m'excuse, c'est irrégularité font, selon eux, du quadruple scrutin du 20 décembre, une farce ou encore une masse. D'après Bango, les irrégularités, yangonde ba kangami nango, balobie, oh boy, Bango kote ana basati. Mais tozo conseille Bango, nandenge capital les a protégés pour le moment. Nandenge zomo na ba blende, bino bozana problème sérieux. Alors, total ande bazo protégé mboka. Contre bato ba nbasa amoubulu, neti bango position, bon auto avance. Selimbao. Sama Selimbao, donc on doit sécuriser le pays. Non, non, c'est pas un problème. Ba blender asikati. Bazo tchango na ba point stratégique. Kona ba oyo ba lingi ba sala kuzo ba nombo. Kasi ya ba ba ya ba point yo seza ka mabe. Boko yanga noa. Tara 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 ba demonstration de force. Fait tu beto. C'est les morts. Donc, c'est un message. C'est un message politique. C'est le bas. Sécuriser mon canal de l'élection au Salama. Dans les proclamations des résultats au Salama, mon canal sécurisé. Kinshasa, il faut penda et à la blender. Ba menace à l'Ibanda pour la non émission au bandeau comme ça en a été. Ce que mon patriouana est né à zotel et mélabissons en dinga au sabanati. Il va en échec déjà. Nous avons récupéré notre pays. Félicitations. Nous conduisons beaucoup à la moussala qui tourne. Vous avez bien quoi? Dande koto landi na kate mitukane yo tambula. Pase facha suba blenda usakana tena na police na army. Muzombo na bieke army azana kata zo tambula na police. So army akoti masole akara police loa makamuza minene. Le pays est tellement na ba problème sérieux. Bango mi bale Katumbi e Fayulu ba se resisi. S'ils sont vraiment des Congolais, bah l'accélère, on va l'accélérer vraiment parce qu'ils sont Congolais. Comment? Bandi ma résultat que voilà, tout ton gambo qu'a tout avancé dans tout continue. Histoire à EDC et Zamoulaï. Congolozola nanga peut-être pour la première fois. Ah ouais, ça la couvre. Ozo tanga ma campo, ozo comprendre. Y'a un tonton là, son nom s'abonner, t'es abonné. Et l'autre tonton là, bande bandi quoi s'abouille. Que la RDC est tellement pays moko, et ça n'a pas richesse à Kosakanate, tout ça en vient à ma voisin. Et trouble en deux mots, bah, blindé, zotambo la kata capitale, pour la couper que ça, bango, batika, ma kambo, bah, au salon. Batika, c'est jeune à la maison, bah, au débrouiller, vina bango, que bah, même à bango, n'a pas meeting moko pour leur propre profit. Ils ont besoin de quelque chose, bah, poste et tout ça. Pour sa magistrature suprême, Banda le Loboyo ka très bien.
ekozala kako congolais de père et de mère. Soki to yebi père no te koyana yoti. Passe après facture au côté père et de mère. Et belle coup de bao soupçonné déjà. Kakande bazan ignon sacré. Bazan bato bazan capable. Bako tele ma mok mok tele ma yango sakanati. Yango tokeba. Parce que o nyon so bon gabotia mobun la mboke go simbati. Ba congolais ba si ba moni passe mi na ba paye au sommet de l'état. Ça ne peut plus se répéter. Toi avance. Maintenant, mon konza mboka a du résultat. A mon état sur la naba congolais. Cette fois-ci, à Kenya quartier général, il y a union sacre. A mon qui appelle sa message. Bandeko batu plein à craquer. Et ça, les kitoko. Bango tout, bazala qui présent. Ba bemba, ba, do ba journaliste, ba, ba tundenge na ndenge ba misu, ba te bele ba ki présent. Comme il est élu pour na deuxième mandat, il fallait pe sakara disko. Na kati nango. Il a parlé même ya, ma kamutuwa za olu ba na campagne. Mais o eza mutuya o lelo me mgano ota la tina bia nzambo za malamu. A lobi eza la ki li kama mabili. Eh, mabili, eh. Balinge kama beli na bisonde bitumbeza na ese, eh, Fatia Longi. Alors, tous ces gens, avec na makamba osa la manœuvre, la communauté internationale, tout le monde, baza na échec, ils n'ont pas pu. Parce que le président de la République a zaki très sage na makambo ya est. Et quoi qu'on me mamboka mouboulou, et quoi peut qu'on tient des ordres de beli. Mais comme sagesse na ilaxi, que tal n'est au commis. Le loyo, boulou al sou, et a sakit. Mais son a landi ba mbouteage ba tchèque ba congolo. Eh, c'est! A aucun d'été! Eh! Arrête! Tu yo kaka oyo ba konjo ba zakoloba. Ils savent que eh, c'est a kokende. Uganda kuda kokende tende avana buna gana na van libela. Ouai bang! Ils sont partis. Tout ça, la deuxième point. Chers téléspectateurs, les pays où les États souverains, quel que soit le monde, c'est nous qui vont décider, surtout les peuples. Binon de batouza n'a pas décision à Mboka. Sobo lui, le zabou, le zabou. Tant de vous décider. Vous n'avez pas extrait. N'a qu'on voté Fachi Nanko, n'a qu'on voté Nanko. Et y'a un peu à voter Nanko. Et 40 n'a. Katumbi 3 millions. Yeah. Fachi 11 et Fachi 13 millions. Donc, écart à peu près à 10 millions de voix. Pour ce moment, 73%. Donc, bon, bah, t'y qu'en soit, bah, sanxi, bah, on y en soit. Et même pas. La moitié. 6 millions et quelques, non. Donc, ça se voit clairement à Congolais, bah, pèse Fachi confiance. Mais, toi, y'a qu'à y, bon, toi, avance. Le président de la République Bandiko, numéro 20, 13,215,366 voix, 73%. Alors, ba Congolais bazo mérité merci. Yango na joki discours. Alobina Banakin, et azo continue ma kambo tout. Oya Banakin, ça RDC mobimba live na RTNC. Et puis boye ba eti. Bo kondana kie kia zaye kotambo la mingi membalo ya kotambo la l'interieur di peyi pona kubongsa mboka. Peyi oyu fuba bongsa mpenda tre kitoko. Ye moka wolanda ba aktivite nyon sendenge zo salama. Alo, bana mboka. Komunite internasyo ba komina problem. To landa son excellence, le president Fachi, o azaye lupo na deuxième mandat, avanso. Qu'il accorde au peuple congolais. Mes très chers compatriotes, vous venez de faire entendre de la manière la plus audible et la plus intelligible qu'elle soit votre voix. La voix d'un peuple vaillant,
engagé et déterminé à ne manquer sous aucun prétexte ce 20 décembre 2023, son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale, en participant massivement aux élections générales prévues par le Constituant. Cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces 3 dernières années, la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voix d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré, envers et contre tout, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie, autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés, pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendu au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel nous prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité et dont les plans macabres, d'ores et déjà planifiés, n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, ezalakinde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, ezalakinde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs, après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kimpa Vita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, chers peuples congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de Kinshasa, du Bas-Zouélé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Touélé, d'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central,
du Kwango, du Kwilu, de la Lomami, du Lualaba, de Maïndombe, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Tchopo et de Tchouapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotion partagée au cours duquel et à chaque étape, vous m'avez prouvé et à travers moi, à tout le peuple congolais, votre attachement à votre nation. J'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite, c'est-à-dire l'expression massive et historique de vos suffrages, vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. À celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont, pour une raison ou pour une autre, pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chères Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de l'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. Le profond attachement à leur mère patrie, la République démocratique du Congo, en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telle qu'exprimée au pays. Enfin, retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Banamboka, Ezalinde Likambo Yamabele. Congo, Congo, Ezali Mboka Yabakoko Nabiso. Esengeli Tobomba, Peto Tonga Yango, Elongo Biso Banso. Matondo Mingi, Aksanti Sana. Toi, Sakidiloa Bouni, Mfiaoukidi. Vive la démocratie. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Ezala kili kamba mabele. Bana RDC botelema. Ezala kindeli kamba mabele. Turiki perimboka. Bato nyosu bazeko sala ba aventure.
Bazako salo wana pour ces pays ba comme na suka. Chers téléspectateurs, la communauté internationale mo komno ke kangami. Passe bango na ba boule na bango. Tala. Bango ba linga ki facha za la isuti. Nde bazamba lembi na ndenga mukese passe fachi penda lembi si bango. Situation à guerre à l'est. Tout ça n'a pas souka. Ba très très basilité. Na kata fardis. Même moutou zomona ki aza vema vrai Congolais. Mais le konin li kola l'art. Ba mbongo et tout ça. Donc, eza mawa. Mais tout ça n'a pas mi bali. Alors, mon kodza mboka. A lobi bolandi est très bien. Ndeni alingi mboka oye tonga masa 45 territoires gratuité. Makamutu ya bandaki. Asingi merci na ba region le azo tambola azalaki en contact na peuple. Ayoke ki nyoso na matoyi na yemoko. Pe ayebi defini na zanango mena pona kubongisa social ba Kongole. Ba Kongole biso tuto oluba. Tuzana bezwe Kongola mona clair na EDC. En 2 ans c'est possible. Teme en 5 ans c'est possible. Donc, autant qu'il a fait un mandat fachi, à quoi il a pu se masser qui toko. Toko, mon amboka ou s'est développé, et puis, monde m'obime bani koloba. Ces pays, ils ont qu'il a kata ghetto, mais n'a payé et bimili banda. Tout le monde en parle de la RDC maintenant. Tout ça qui bat mon mawa trop. Donc, totalement isolé, parce que ma conjo bazaki li bosso, bazaki na bit moussouti. Les lobes, ma tata, ma tutoana, ma tchamakel, ce sont eux qui ont pillé des ressources. Bukangalonzo, c'était l'un des exemples. Wapi place, on va saki bilanga pour la peuple, les athées. Maintenant, peuple, azas, maintenant, ma yeli. Ben, si mon code mboka, bisozana, besoin changement. Ya social, la biso. Yango bazako sala. Mais y'a auto et sa bana mboka, et tout ça là, tout élément pour ces pays. Toti ya kupesa bapaya, oye pasi ya trode Rwande chenu, oye bayaka na bentansyo na mwako tia mubunu na mboka. Me biso ndeto tele mapo na mboka na biso. Alo, bana mboka. Tolandi fachi, azaki kler, bati inyo sakre, inyo soba zaki prezant, ila parlo no de l'inyo sakre. Ke bako kontine na mosalo basi babandi, ya gratuité à 145 territoires banzela donc banzela nyose koma kitoko pi peuple ana mona clair alors wana tu ba congolais baza ko cela sikuyo na deuxième mandat et puis provisoire oyo quelques jours après cour constitutionnelle a ko confirmé parce que opposition oyo ba lobby hein et c'est sous makamba fruti et comme ka irregularity opposition oyo na ebiti, si an ede son na in opposition, ou bien zanon kaba aventure, ou pona muta muta zwa di panaye. Alo, bana mboka, tokomo tika premier point, tokomo kende na deuxième point. Chers téléspectateurs, tokomi na point ouyu, point ya Rwanda. Bande ko le présent Rwanda a zo condamné ouest occident, a sepe li tendege ni ne ba pesa ki kaka se se le fe a 72 heures pon eleksyon. Don ya lienga bitumba na lera ba profite. Ah, prezant Rwande. Tala, se group la bozo mona ba nanga tous se jan o ba sangani kuna. Se sou la direksyon. Ya ye moko le jen, le prezant Kagame. Présent Oyo makamaza ko sale zo lekela tout le monde même les journalistes même ba homo ba américain même homo ba européen bazo tala bitata Oyo azamuta ba trouble boko yo ka politicien na bango ko expliquer makambo te zo leke pa na biso passe boibike bango na Rwanda Burundi na Rwanda mikolo nyoso sirba ba rebelle Burundi oba zana katia Sud Kivu. Dossier na bangwe tse telma dezo da kosakanate. Alo Kagame bazo yaka na maloba. Se politi pas se d'abord bazo kondane Burundi.
ba rejeter ba accusation nyonso Burundi alo parce que Burundi alobeli kaka memabi. Alors yango zoma kanda bazo kwa kusili sa maloba te lelo ba yena maloba musu bande colère grave ba lobi c'est la communauté internationale bazo permettre 72 heures ya cessé le feu ka po ba voter présent Tshisekedi ba se peliti. Donc aux autres là qui balinga ke élection ti ezande le kama mabili c'est pour ça fatia na ba congolais. Et ça, qui est comme ma bille. Donc, baso se pelate. Baso crie au yoana. Bandeko, et so sala pasi pe mawa. Bokoyoka, Rwanda, makambo baso loba. Ils ont parlé. Ya Sadek. Bata la pe Sadek ango. Et puis, baloui, EAC. Ba sepeli tende EAC, makamba EAC ndenge leki, mebo linga baza anamboka na biso. Biso to bengani EAC asani ya kipo ya aso ula karabino, pa Rwande. Me pukwa bozono bayango. Alo, ba lobi komunote internasyon makambo tu aza kotala, epi matato zo kontine kasa nire, eloko ba omba zo linga. Fatia negosye na batu. Alors que accord à Luanda est clair. Accord à Luanda est clair, mais te bango ba kene cantonnement. Et subitement, nanga a rejoindre bango. Mba Kagame, pour comme ça on dit ni na ba Congolais alors que yemu ta zopesa ba arme biloko nyonso. Alors, depuis que ba revese na oezo le kanasir qui vous na présent Burundi. A comme mal à l'aise. Côté kuna ba 1-23, côté yo, ba reta bara na sud kifu. Yangwana tini politicien na banga ye koloba. Allo, bana mboka, tolanda politicien na banga, bongo to avance. Message de Kagame si c'est le fait 72 heures par USA, Occident. Neni ba condamné Occident après toko yana arrestation ya Mpezu. Bokoyoka communiqué à Fardis. Alors, bandeko, nanga yewana buzomona, makambo oyo, bato bazoya nango, eza preza Kagame les troubles faits. Il a tout fait, mais a commis un problème parce que les mêmes situations par la biso, Burundi a comment condamné bango. Parce que ça a fait 20 morts. Na Burundi. Le reta baraudi sit kivu. Et mena, bazo kondane Kagame pour une agression wana. Kagame, a zwa ba reta barawana, a yem ta futa mbongo na bango, a salaka nyonso pour na bango. Bola na kine mission passe. Et mena, na groupe na ye oyu. Et sa kawa. Do, arme na ye, yangoyo. Nanga akomipe, akotipe zamba, akome sika moko na babisi mwa bangwana nyonso ba telemi, bon, bangwana bakomba bao dirije rebelio. Me eko yela nanga ngai. Boko yoka Rwanda to chela bino, me toolo banansi nanga. Il a quitté ce pays, il est allé au Ghana. Comment il s'est retrouvé na katia M23? Ba mbongo ba yiba yiba ba milliard de dollars na katia mboka na biso zo uta Kinshasa. Ya oto olu wake bato ba osala mabe na mboka na biso. Mbongo nanga mbongo wake kusika na bako pesa na rebellion. Usomona? Ni ba mbongo yu ba pie pie resursa EDC ba keli su nango kuna po ba ya kubongo wa Kongole. Esto ko komprande yon. Et comme étant, banamboka to telema. Pour bateau nyonso, qu'il dégage. Ozo monate. Azo pesa pe ba mibeko. Alors, mettons au canal Rwanda, ndenge azo se plaindre, nandenge ba
américain na makambo ba kena ngo biente makambo ya ezo tokana 123 na ASADC bango ba sepelite tolanda nano Rwanda bongo message à Kagame bongo to développé. Aussi que de telles attitudes rendent difficile davantage les efforts de la communauté est-africaine de sécuriser la région devant la passivité de la communauté internationale. Je crois que certains acteurs, que ce soit le Burundi et d'autres, rendent la tâche assez difficile pour la East African Community. Et sont en train de, je dirais, un peu aliéner les relations entre la SADC et la East African Community. Ça peut avoir des répercussions, mais à cette heure-ci, on ne sait pas. Il faut, je crois, attendre. Mais je dirais qu'il y a quand même toujours des gens dont on ne parle pas assez, c'est la communauté internationale. Parce que tout ça, les États-Unis, l'Union européenne, ils voient tout ça. Et le fait de ne parler que d'un cessez-le-feu pendant 72 heures pour des élections, alors qu'ils ont été complètement, je dirais, muets, silencieux depuis cette crise, bon, je crois que le fait d'être muet, ça n'a pu être que, je dirais, un soutien, je dirais, un soutien silencieux du développement de cette crise. Donc cette crise est en train de se développer, comme on dit en anglais, under their watch, pendant qu'ils regardent. Donc, je crois qu'ils ont aussi une certaine part de responsabilité, parce que ils pourraient demander, parce que comme d'habitude, normalement, ils sont assez, je dirais, on les entend, et là, on les entend pas. Je veux dire, le nettoyage ethnique que le Nord Kivu vient de subir sur ces deux dernières années, ils ne peuvent pas l'ignorer. Or, ils n'en ont pas parlé, ce n'est jamais intervenu, personne n'a parlé de ça. Donc, voilà, il y a la région, et puis il y a la communauté internationale. Ce qui est clair, c'est que au Congo, on s'enfonce dans la crise. Chers téléspectateurs, tout le monde est en train de se donc, si on est allé présent au Rwanda, na kambo toi le biwana. A se pelleté d'abord un point à 72 heures à cesser le feu. Bah lui pourquoi 72 heures et puis bah lui banda kalaba américain basa kotala. Bah ouest bah otala bitouba bah ouma zotala. Sous eh na bah on est ma kambo zo kendi. Mais bah ozo bah décision ni bazwa. Présent Rwanda. O yebi ke tozana problème à Kora Luanda. Décision ni yoni ba américain sou ba lo ba lo bande na binobo kite e desse. Mais ce qu'on l'indique à Zoloba, basana posaka kake, ba bisuto sala ba négociation na batouan. Fatia koutiva jamais ko sala ko sola na batouan. Akora Luanda yana, mais ça va exécuter yango, l'accord de Luanda et l'accord de Nairobi. Et zo sala ma wami na comportement ya président rwandais. Atika kondi malika omokote, makam tuba lo baka ko te ba okosele makambo. O siko yabananga o ibazo kosela e. Donyon so bazo lo bapon azo ni mate lelo yo azo kondane communauté internationale. Na makambo o yo ya es. Basa ko wanga na ke ye azamu konja reta barate. Alors que président Burundi déjà s'est arrivé ici. Il a un problème sérieux banamboka. Ndenga zana zoe batende ne kome ya makambu oyo preza Rwande. Ma ele silie ya mwana kaka reeleksyo afachinde saliba umubulu. Monde za ya konyingana pule moma.
Le camp de Kagame baza dembadat pour le moment de Pibayo qui fatia za réduit. Parce que ba ndima ki te baye ba kande ba supporte Katumbi, Katumbi muta kubima. Toza la clair. Katumbi a tirotanga komba Kagame, te parti a rotanga yangoti. Donc, il y a un problème. Bon, tout le monde a attaqué l'Église. Pourquoi faites-vous cette insistance? Parce qu'à côté, il n'y a jamais eu le temps de combattre Kagame. Parce que, il y a un mot. Donc, ma kambo tozo loba, bana mboka to la mouka. Le loyo, nanga ke kuna, banan bazo contribuye ba mbongo wana. Bano ba milliardaire na EDC. Mais ba, jamais, il ne contribue pas ici à EDC. Basa batuwa kosa ba société belé ba congolais ba jimisala. Mais non, il prend cet argent, ba kenango ba pesi batu, ba keno la rébellion, ba kikubumaka bandiko na biso. Nanga kiona keno ba mbongo ebele. Ba pesi pesi ba mbongo kapo, akende kuna, ba sangana, ba continue, ba sa l'opération, ya zolo ba ki ayana Kinshasa. Ma kamboto zolo ba bana mboka to landa très bien. La guerre à l'Est, tous un problème sérieux, tous un point amibale. Yango, ce qui n'est tous au talamakam, n'est au lundi. Message à présent, Kagame, on a politicien, on a zolo, on a Rwanda. Vous comprenez clairement que bateau, bah, ça, très mabé. Bah, l'inga, même tes élections, ezala. Et puis, à ce moment, quand ma Sadek, total, l'année, Sadek, on peut qu'aucune, bah, c'est pellité, un, à, et à, c'est, n'y a qu'il. Au moins, que, et à, ça, ça y est, moutouna, bango. Pourquoi, bah, zot, tanga, et à, c'est, n'a ma kambo. Bon, là, n'ango, très bien. Bon, commentez, bandeko, parce que, élection, oyo, et ça, là, qui t'a récupéré, mboka. Alors, maintenant, bah, tu le col, là-bas, bah, n'ango, bah, qui ressemble à la kuna. Mais basé basa sous étiquette à Kagame. C'est-à-dire bah n'ga basa le mouvement que bah l'usage Kagame les sous-soutient. Nous avons besoin de quelque chose à gagner. Il y a un président Burundi a révélé hier à l'objet clairement hier mutazotia mouépi bah kenak bah entraînement bah rétablir. Ndemo à l'objet ma kamoué ça mana nord Kivu et à ndenge hier kaka mutaza parrain il y a ouzo sala mana sud Kivu à l'objet là qui directement. Que aipsi ba Burundi bo supporter ba Congolais. Oyo yazo sala kuna yango akumosale pana biso et sala ki bango bien ti. Vraiment na takwana. Et puis Kagame a bandi sikondenga bandi au continuer yango. Chers téléspectateurs, tay komi toza la sima mwana mboka. Yende mutako bengana Kagame wana fachi bozomona. Ye mutasuki si Kagame. Ma kela Kagame sili. Ma kamta zolo wa kwa sude situ na lelonde va proclamer. Ma yele sili. Fachiru yeli deuxième, pour le deuxième, pour la deuxième mandat. Kagame yebela. Mena toke na deuxième po. Ezo ko salanga pasi. Siko finalement, nana ko dirige 34e région militaire. Nord Kivu, Ituri na Sud Kivu. Nana ko dirige yango. Combien va changer? Ça ne marche pas. Mpezo le la yaki. Aye na maloba kitoko. Me makambo ba kangi. Bosa na makamba FDLR wana. Me makambo ba kangi liye. Gestion ma beye ba mbongo ou fachibali nga po. Ba soda wana ofro makambwe kene kitoko. Ba lubi gestion financière za malamute. Makambwe bele za malamute toko tang ensemble. Mais, ba pesa ki e confiance. Mais tala ou ya salimboko. Ba Congolais ba pesa ka confiance. Ça ne peut pas eko passe za bongote. Jusqu'à ce que, le général Ekenga a coupé sa message. Sur interpellation, il y a le général Mpezo. Mais, c'est confirmé, il est aux arrêts. Azana Kinshasa.
mais 34e religion est toujours dans l'Est. Si on a un peu de place, on a un peu de Congolais, on a un peu de place. On a un peu de thème de père et de mère. Abattre l'intégrité territoriale contre Kagame. On a un peu de place, on a Kagame, Kagame. Son talibien, mauvais gestion de l'accident. Alors, sa négligence tout partout. Mais Yassa Moutaou dirigeait 34e région militaire. Mais Talay Bakangi. Côté Kouna Komekate, Fachazana, Kouna Penando, Soka Kerena dépense au Basali pour la armée. Bas joyeux na Makama, Bekouna na Est, Ozana problème. C'est pour cela qu'il est à Zana Kinshasa, tout temps. Arrestation du général Bruno Mpezo Mbele. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont annoncé l'interpellation du général-major Bruno Mpezo Mbele, commandant de la 34e région militaire couvrant le Nord Kivu. Selon les porte-parole de FARDC, c'est au gradé et soupçonné d'avoir entretenu des collaborations avec les rebelles Hutu-Rwandais, des forces démocratiques. Libération du Rwanda. Il lui est notamment reproché d'avoir enfreint les directives strictes interdisant aux militaires congolais de s'engager avec ces groupes armés. Outre ses soupçons de liens avec les FDLR, le général Mpezo Mbele est également accusé de gestion douteuse des moyens humains et matériels mis à la disposition. Bozolana. Gestion moko douteuse. Il y a un matériel qui est à faire d'ici. Il y a un matériel qui est à faire d'ici. Si vous avez un matériel qui est à faire d'ici, la gestion est à wapi. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale internationale de l'interpellation du général Mpezo Mbele, commandant de la 34e région militaire au Nord Kivu. Il est reproché à cet officier non seulement la mauvaise gestion des ressources humaines et des matériels mis à sa disposition. Donc, Azaka ka 34e religion kaka pona Nord Kivu. Donc, Ezamawa, mais aussi la violation des consignes relatives à l'intégration sur des membres des forces armées, quel que soit leur grade de s'engager aux côtés des forces démocratiques de libération du Rwanda, peut-on lire à travers cette note d'information. Siko, yo mutuba otia motema kuna. O komi na makamwa ba arrestation. Bozo, mante ki ya un problème. Alors, il est interpellé à Kinshasa. L'heure est grave. Ba problème a est ozo kota don mawato to landa. Bon, oto avance. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de l'interpellation du général-major Mpezo Mbele Bruno, commandant de la 34e région militaire au Nord Kivu. Il est reproché à cet officier général non seulement la mauvaise gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition, mais aussi la violation des consignes relatives à l'interdiction stricte des membres des forces armées, quel que soit leur grade, de s'engager aux côtés des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. La justice militaire est d'ores et déjà saisie pour approfondir les investigations sur ces dossiers et établir les responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment le caractère impératif des instructions permanentes du chef d'état-major général des FARDC du 21 novembre 2023 et réitèrent l'interdiction faite à tous les militaires de collaborer avec les forces négatives FDLR. Bandeko, to landi biso nyonso, to yoki. Situation est grave. Parce qu'il y a le dirigeant Nord Kivu, 34e région militaire. Si koyo, ba zone makamba. Ma gestion, ma ressources humaines, matériel,
à ce Jérôme Alamouti. Alors, Azam est interpellé à Kinshasa. Alors, au moment où il y a un problème, dans la guerre, nous avons battu nous sur le bas à la Ini. Tant qu'il y a comme Kangaï Boui, au moment où il y a un problème, comment on peut avancer? Deux autres Senga, et te battu, vous m'avez comprendre. Parce que ce sont autant là où comprendre clairement. Non, il y a un problème ici. Et ce moment là, clairement, ça. Il y a un FDLR, tu comprends. Fatia pesa qui message à respecter les états au sol en abam. Nous avons des acquis au sol en abam. Mais il y a ça, mon tas de diriger ma camion sur armée. Ba boy ba sol en abam, pour ma raison, kagama zakozo. Somona. Somona ni message à kagame en boyoka. Oye, les gars qui lobby. Batango ba FDLR one. Alors, maintenant, situation tout ça, on a S, au lieu que bas se concentrer, kakana contre 1-23, oyo, tout ben, on a battu, oyo, tout libéré, mboka, pas, c'est, même élection, c'est le kamabele. Avec Fatima, n'a pas congolais, mouté, mais kiti, bas, ça n'est pas. Et t'es tout récupéré, mboka, n'a ma boka, bas, Rwanda. Rwanda, si, ma kamouana, ma belle, amso, 1-23, bas, occupé, bas, terrain, on a S. Mais bah, zo barré, bah, tu, bah, figure, asikana, bah, nanga, et tous ces gens. Et ça, kaka, bah, mascara. Et ça, kaka, yemo, kagami. Mais bah, yé, bah, eti. N'a pas tout, bah, ça, si, ma nanga. N'a pas, moussou, bah, ça, na, Kinshasa. Oh, bozo, ça, la, RDC, beaucoup vivre. Pourquoi armée, qu'on zala, boui? Pourquoi armée, na, bisso, bah, tu, fou, bah, ça, kana, ma, kamba, boui? Il y a mauvaise gestion. Mes chers téléspectateurs, toujours, je sais que ce n'est pas ça qui est découragé. Faire ça dans la position de force. Je suis en train de faire des prêts. Je suis en maison militaire civile à Fatima Congo s'engager dans ma camion sur l'armée. Il y a des dépenses dans ma camion. Pour que la transparence soit la bonne chose, il y a des choses qui sont là. Parce que les gens qui sont armés, ils ne sont pas rebelles. Mais ils sont soutenus. Ils sont soutenus. Ils sont soutenus. Alors, guerre pour tout gagner, il faut un vaillant soldat. Ou il faut un jeune homme parce que maintenant, comme l'effectif, il y a 165 000 soldats. Rwanda, il y a 12 000. Il y a 165 000. On se moque, donc, comme une effectif à cause de la. Et maintenant, toi, capable, il y a qu'on neutralise pas tout. N'a arme à ce qu'a Fatih, à son bibi, le que belle bibi, bon, de mais, avec Fatih, tu qu'on gagne. Il y a un motina, bah, Congolais, bah, renouveler Fatih confiance, tu y es bêté, bah, quand bah, est-ce qu'on gagne, alors, le général Peso, à Zaouzare, ma kamotu bo landi bo tangi bo comprendre. Tous sa Congolais sont en s'abonner, t'es s'abonner na chaîne Oyo. Okozala jamais découragé. Alors, banamboka, talandenge ma solangwe isalaki. Boye ba eti. Bitumba Oyo. Atezo gumela esto ko gagne. Présent Rwandais. Ndenga zana za kao debout. Pourquoi? Ayuki. Que le présent Fatih est élu pour na deuxième mandat. Et puis, akozala confirmer kalate pour. Bah, tout, bah, ça, bah, recourte, bah, parce qu'il y a une semaine, bah, il y a un peu de temps. Alors, bah, dans mon cas, c'est à ce point, tu comment clôturer mission à mission. Bon, continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.